Voici le magnifique système que j'ai passé 2 semaines à créer. Donc, premièrement, on a un super système multipièce qui sert à tenir un morceau de coroplace solidement dans la fenêtre. Dans ce morceau de coroplace, on a 2 systèmes en 3 pièces qui servent à tenir nos tuyaux d'entrée et de sortie solidement dans le coroplace. Comme on peut voir, j'ai vraiment utilisé beaucoup de filets imprimés en 3D pour faire tous mes systèmes multipièces qui tiennent ensemble. C'est tellement une technique qui est utile. D'ailleurs, c'est une des 12 techniques que j'enseigne dans l'Académie 3D, le cours en ligne que j'ai créé sur la modélisation 3D pour l'impression 3D. Si t'aimerais savoir comment j'ai modélisé toutes les pièces de ce système-là en détail, j'ai fait une vidéo bonus de 30 minutes dans l'Académie 3D pour vous expliquer en détail chacune des pièces, chacune des fonctions, les différents prototypes, les différentes erreurs que j'ai faites, tout est dans cette vidéo-là dans l'Académie 3D. Finalement, la dernière pièce qui rend tout ça possible, c'est une reproduction du filtre qu'il y avait dans l'entrée d'air de la machine. Donc, j'ai reproduit ce filtre-là exactement et je lui ai attaché ma géométrie pour tenir le tuyau sécheuse.